Bonjour, bienvenue sur Musculation Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale Comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Conseil du jour, mangez du cholestérol. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, jingle. Alors premièrement, démystifions le cholestérol. Parce que, en fait, il est aujourd'hui une autorité publique d'affirmer que le cholestérol est responsable de pléthore de maladies cardiovasculaires. Pourtant, un grand nombre de chercheurs, et pas des moindres, estiment que le rôle du cholestérol dans les troubles cardiovasculaires a été fortement exagéré, ou même qu'il est quasi nul. Alors, cholestérol et testostérone, quel est le lien ? Alors dans un premier temps, on va voir le résumé d'une étude sur les médicaments anti-cholestérol. Le cholestérol est un précurseur des hormones stéroïdiennes et donc des hormones sexuelles. Autrement dit, s'il était possible de supprimer complètement la production de cholestérol chez l'homme, la production de testostérone serait nulle. Mais quel est l'impact d'une baisse de cholestérol via l'utilisation des statines ? Donc vous comprenez, on a diminué la production de cholestérol des hommes en utilisant des médicaments. C'est la question que se sont posées des chercheurs chinois. Ils ont donc répertorié l'ensemble des études contrôlées sur l'utilisation des statines et dans lesquelles on avait mesuré les variations du taux de testostérone, puis les ont analysées. Verdict, les statines diminuent le taux de testostérone d'environ 4%. Bon, on voit que c'est pas énorme, mais nous ce qu'on cherche, c'est pas à le baisser, c'est à l'augmenter. Alors maintenant, attention, parce que ce qui va suivre va vous sembler extrêmement compliqué. Mais promis, après je simplifie. Ne partez pas, après je vous simplifie. C'est prise de tête, c'est technique. Mais une fois que tous les noms barbares seront passés, je résume, ok? Dans les magazines de muscu ou sur les différents sites, vous allez voir que manger plus de cholestérol alimentaire, en fait, comme des œufs, permet d'augmenter la production de testostérone. Pourquoi? Parce qu'on sait que la testostérone, elle est fabriquée par le cholestérol endogène. Et enfin, endogène, ça veut dire que c'est celui qu'on crée nous-mêmes, qu'on fabrique nous-mêmes. Alors, le fait d'amener du cholestérol extérieur permettrait d'augmenter la production de testostérone. Voilà sur quoi il se base. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, en fait, c'est à moitié vrai, mais diablement plus compliqué. Et j'ai trouvé ça sur le site de Superphysique, et c'est super balèze. Céline, tu mettras le lien, s'il te plaît, du site Superphysique sous la vidéo. Alors, je vous le lis très rapidement, et après... je vous synthétise. Le cholestérol est un composant essentiel de nos membranes cellulaires. Il joue un rôle de plateforme dans l'assemblage des composants de signalement et augmente les phénomènes de transduction. Ce rôle du cholestérol est primordial pour l'expression de diverses voies métaboliques, comme les récepteurs à l'IGF-1, les récepteurs aux androgènes, le facteur nucléaire kappa B, le facteur de nécrose tumorale, ou encore l'interleukine 6, qui joue un des rôles majeurs dans la construction musculaire. L'hypothèse la plus probable est donc que le cholestérol d'origine endogène ou alimentaire augmente ses voies de signalement. Ainsi, le muscle est plus sensible au catabolisme provoqué par l'entraînement, mais également plus sensible à l'anabolisme engendré par celui-ci. Donc, pour simplifier, le cholestérol permettrait d'induire plus de catabolisme et donc une plus grosse réponse du corps au stress qui, de ce fait, va créer plus de muscles. Je répète ou c'est bon? Je resimplifie encore? Ok. Comment vous produisez du muscle? Ben en fait, vous allez créer énormément de dommages dans vos fibres musculaires. Et ces dommages-là ben, vont permettre au corps de se dire on va refabriquer plus de muscles. D'accord? Pour subir ce stress, si la prochaine fois on doit le subir, d'une façon plus acceptable, plus facile. Donc plus il y a de dommages, plus on va reconstruire. Et en fait, le cholestérol, là, viendrait augmenter les dommages par divers facteurs que je vous ai expliqués tout à l'heure qui sont trop techniques. Donc simplement, qui dit... plus de dommages, plus de réparations. Donc, meilleure prise de masse musculaire. Donc, mon conseil par rapport à tout ça, ben, évitez les statines, et pas simplement pour la testostérone. C'est simplement que les statines, ces médicaments qui sont anti-cholestérol, ne servent à rien. Elles s'attaquent à une cause inexistante et créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Enfin, ça reste mon avis. Et mangez des œufs bio, ou des œufs de ferme dont vous êtes certain de la qualité des poules.
C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez un lien pour un programme gratuit, comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Vous trouverez également une formation gratuite sur la créatine pour tout savoir de A à Z. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo, qu'on devienne une communauté de partage, les amis. Et donc, partagez-la si elle peut aider autour de vous. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.